Enfin, je peux aller prendre ma mère pour la mettre avec mon père et je suis bouleversée, excitée en même temps. Le fait de toucher, par exemple, le linceul, elle est natte. Avec lesquels donc on enveloppe en quelque sorte les restes, les ossements, les restes mortels. Et le fait de toucher ça, comme si on croit donc que cela apporte quelque chose de bien. Donc, puisque les Malgaches, en général, hein, oui, il y a ceux qui ne croient pas, mais en général, dans la pensée traditionnelle malgache, on croit donc que les ancêtres, ils continuent à veiller sur leurs descendants. Donc, le fait de pouvoir toucher ces restes des ancêtres, cela apporte du bien. Et voilà pourquoi on se précipite pour faire ça, pour avoir la bénédiction des ancêtres. C'est notre grand-père. Ben, ça y est, mon père est sorti avec mes deux nièces. On est en train de mettre les linceuls. Et ben, y a toutes les émotions qui sortent. Papa, maman, ils sont côte à côte là maintenant. Et on va mettre le linceul de mon père. Là, c'est ma petite nièce. Là. Et ils vont finir et après, ce sera mon père. Ah, attends.